Oui, ça, ce que je vous dis, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Ah, mais si les gens fonctionnaient avec leur tête. Mais les gens ne fonctionnent pas avec leur tête, je le sais. Ils fonctionnent avec leur trip. La politique, c'est une affaire de trip, c'est pas une affaire de tête. C'est pour ça que moi, quand je fais des campagnes, je ne la fais jamais pour les gens intelligents. Les gens intelligents, il y en a 5 à 6%. Il y en a 3% avec moi, 3% contre. Donc je ne change rien du tout. Donc je fais campagne auprès des cons. Et là, je ramasse les cons. En masse. Et jamais sur le sujet. Enfin, aujourd'hui, je fais ce qui m'intéresse, comme président de région. J'aide les lycées, j'aide la recherche. Mais quand je ferai campagne dans 2 ans pour être réélu, je ferai campagne sur des conneries populaires. Pas sur les trucs intelligents que j'aurais fait. Qu'est-ce que les gens ont à foutre que je remonte les digues? Les gens s'occupent des digues quand elles débordent. Après, ils oublient. Après, ils oublient. Ça ne les intéresse pas. Les digues du Rhône, les gens, ils s'en foutent. Ah! À la prochaine inondation, ils gueuleront, on va rien faire. Alors moi, je mets beaucoup d'argent sur les digues du Rhône, mais ça ne me rapporte pas une voix. Par contre, si je distribue des boîtes de chocolat à Noël à tous les petits lieux de Montpellier, je ramasse un gros paquet de voix. Je donne des livres gratuits dans les lycées. Vous croyez que les connards me disent merci, ils disent non, ils arrivent en retard. Comme si c'était ma faute parce que l'appel d'offres n'avait pas marché et qu'il y avait un mec qui avait un mauvais appel d'offres et que là il y a 15 jours de retard dans les livres. Donc les gens ils disent pas merci. D'ailleurs les gens ils disent jamais merci. Les cons ne disent jamais merci. Les cons sont majoritaires. Et moi j'ai toujours été élu par une majorité de cons. Et je crois qu'ils sont élus. Parce que je sais comment les agraner. J'aggrave les corps, mais moi, ma bonne tête, j'ai encore des histoires de cul, etc. C'est un succès fou, ça. C'est un succès fou. Ils disent, merde, il est marrant, c'est un intellectuel, mais il est comme nous. Quand les gens disent, il est comme nous, c'est gagné. C'est gagné. Ils votent pour vous. Parce que les gens, ils votent pour ceux qui sont comme eux. Donc, il faut essayer d'être comme eux. Là, les Catalans me font chier. Et je leur tape dessus parce qu'ils m'emmerdent. Mais dans 2 ans, je vais me mettre à les aimer. Je vais y revenir. Je vais dire, mon Dieu, je me suis trompé, je vous demande pardon. Ils diront, il est intelligent. Ils me pardonneront. Ils en reprendront pour 6 ans. C'est un jeu, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien en rire, parce qu'avant je faisais ça sérieusement, maintenant j'ai tellement l'habitude à la manœuvre que ça me fait mal. Ça me fait mal. Les cons sont cons, et en plus ils sont bien dans leur connerie. Pourquoi les changer? Pourquoi voulez-vous les changer? Si vous arrivez à faire en sorte que les gens intelligents passent de 6 à 9% voire à 11, bon, vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais les cons sont souvent sympathiques. Moi, je suis bien à l'école. Je joue à la belote, je joue au boule, je suis bien. Je suis bien avec les cons parce que je les aime. Hein? Mais ça n'empêche pas de les juger. Et après, quand vous avez raison, après, ils vous donnent raison, mais toujours 3 ou 4 ans après. Toujours 3 ou 4 ans après. Ils disent, mais... Il n'est pas si con, parce qu'après tout, ce qu'il a fait, ça marche. Donc vous faites les trucs, vous faites des liens. 6 ans. Les 2 premières années, vous devenez maximum impopulaire. Vous tapez sur, vous leur tapez sur le claque-bec, etc. Salaud, le coq dans ta peau, on t'aura. Moi, je dis, pose toujours, je vous emmerde. Ensuite, 2 ans, vous laissez reposer le flanc. Vous faites des trucs plus calmes. Et les 2 dernières années, plus rien du tout. Des fontaines, des fleurs et des bonnes paroles. Je vous aime. Ô Catalan, je vous aime. Ô Occitan, mes frères, je vous aime.
Faites un petit institut de merde pour propager le catalan auprès de 4 légumes. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et évidemment, ils parlent catalan. Comme ça, personne ne les comprend à 3 km de chez eux. Mais ça leur fait plaisir.